Regardez-moi ça! Oh, ou plutôt, non. Qui en voudrait? Les tableaux, ça? Ces choses? Du Monet? À présent, la nature, et plus encore mes toiles, me paraissent horribles. Je sais que mon ami Claude ne va pas très fort en ce moment, ce vieux crabe. Faudra qu'un de ces jours, j'aille lui chiper un déjeuner, foi de Clemenceau. Voir où en sont ses yeux, parler avec lui. Quelle vieille tête de bois! Un homme pareil, dont on parlera encore pendant des siècles. Le premier des impressionnistes. Semaine d'après, quand il est passé derrière moi, il s'est assis et, bien calé sur sa chaise, il m'a dit « pas mal du tout, mais c'est trop dans le caractère du modèle. Il est trapu et vous le peignez trapu. Il a des pieds énormes et vous lui faites des pieds énormes. C'est très laid tout ça. Pensez-y, jeune homme. » La nature, c'est très bien comme élément d'étude, mais ça n'offre aucun intérêt. Pensez à l'antique, au style. Ce qui n'empêchait pas ces rebelles de tenter le salon officiel quand même. Rebelles, nous! Mais on souffrait mille morts de ne pas y être au salon officiel. Celles qui ont des petites fleurs bleues, qui brillent tellement... Lorsque Camille est morte, je suis resté très longtemps à son chevet. À mesure que le temps passait, je me suis surpris, les yeux fixés sur sa tempe, à remarquer les dégradations qui affectaient son visage. Des tons de bleu, de jaune, de gris, que sais-je encore. Le désir de fixer l'image de celle qui allait me quitter pour toujours était sans doute bien naturel. Mais avant que j'aie eu l'idée de figer les traits que j'aimais tant, les réflexes ont repris le dessus. J'ai frémi à la sensation de la couleur. Voilà où j'en étais arrivé. Le lit, ça, les trois.
Clemence et Monet ont fini par s'installer ensemble, à Giverny. Après une dernière tentative d'Ernest, pour qu'elle revienne auprès de lui. Et me voilà, 40 ans plus tard, dans cette maison pleine de fantômes, et ce jardin que je peins encore et encore. Passer des heures à peindre avec moi depuis qu'elle est toute jeune. Elle a porté mon chevalet, mes toiles, sur une brouette. Elle s'est frottée à mes Américains de voisins. Oh, elle pouvait leur en montrer. C'est vu du jardin, de la roseraie, des nymphéas. C'est de l'impressionnisme à l'état pur. Ma vie est une faillite. Il ne me reste plus qu'à crever. Toutes mes œuvres avant de disparaître. Et voilà! Combien de fois ai-je entendu cela? Après tout, Bernouville n'est qu'à quelques tours de roue de Giverny. Cela permet à mon professeur d'énergie de venir me rendre visite bien souvent. Certains disent qu'il suffit d'appliquer des couleurs vives et des teintes enlevées pour se bombarder impressionniste. Ils parlent de style, mais le style sonne souvent la fin du talent. Je vais me remettre au travail, ne vous en faites pas. Je ressens le poids du temps qui alourdit ma main. Mon pinceau tremble un peu, je ne vois plus bien, mais... ce que je vois, je l'ai là, dans le cœur. Le regard embrumé, comme s'il était là encore, m'appuyant sur ma vieille canne, j'inaugurais les nymphéas de Claude Monet, peintre, impressionniste, mon ami, mon grand ami.